je voulais juste te dire que hier j'ai appelé Canal. Oui. Pour qu'ils m'envoient quelqu'un. Ils m'ont dit, bah non, on a appris qu'il y avait le père Gaillard qui était là-bas, c'est pas la peine, il va courir le truc. On va prendre des boîtes de sang, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, qu'est-ce qu'il vous faut? Une première, un classique, un balaïque, un classique. Il y a un ambulant. Ils sont dehors, pas de pub, rien. Ils sont là. Merci. Il y a plus de date. Non, il n'y a plus. Parce qu'on est capable d'avoir encore un temps comme ça au mois de septembre. Bon moment. J'y vais, mais vraiment avec beaucoup de douceur dans la balle. J'ai l'impression de jouer à deux à l'heure. Ouais. Bon, 7e édition du Grand Prix, cette année exceptionnellement à 3 tours, avec une semaine d'avance par rapport aux années précédentes. Une quarantaine de clubs présents, ça vient de très loin, de Paris au nord jusqu'aux côtes méditerranéennes pour les gens du sud. Une très belle édition, on voit que le champ du jeu de joueurs s'est vraiment rajeuni et c'est très intéressant. Des très beaux scores, puisque tous les jours, aussi bien chez les filles que chez les garçons, on a trouvé des scores négatifs. Donc la décision est en train de se faire en ce moment et on va sûrement maintenir cette date pour les années prochaines. Sachant que justement, ce Grand Prix se positionne juste avant Evian et qu'il est susceptible d'intéresser les meilleurs jeunes joueurs français. Voilà, donc merci à tous d'être venus. Allez les verts. C'est moi qui vais l'avoir. Il l'a déjà dit. Dommage. Filmé. Il n'en a pas eu, tu vas marcher. Hein? Laurent, souriez, vous êtes filmé. Bah, c'est surtout Henri qui va devoir marcher. À tout à l'heure. Je voudrais commencer par vous remercier. Pour certains, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils viennent nous voir. On en a des nouveaux qui sont venus. On a plus de 40 clubs de représentés, ce qui est quand même pas mal. On a fait le plein, 132 joueurs et joueuses. Alors je voudrais vous remercier parce que sans vous, bah, notre Grand Prix ne monterait pas dans les tours. Donc cette année, on va être en catégorie 7 pour les dames et les filles. Les dames et les filles et les messieurs, mais ça c'est la fatigue. Et on espère bien, si vous avez passé un bon week-end, alors il y a ceux qui vont nous quitter ce soir, il y a ceux qu'on va retrouver avec plaisir demain, on espère bien que vous ferez un peu la promo de ce Grand Prix, pour que l'année prochaine, on arrive à monter un peu encore d'un cran, ça serait pas mal. Voilà. Alors je voudrais remercier la restauration, je pense qu'ils ont été à la hauteur. Je voudrais remercier les bénévoles qu'on vous a mis sur un certain nombre de trous. Je voudrais remercier les employés du club, que ce soit les hôtesses d'accueil, que ce soit les jardiniers, parce que je pense qu'ils ont fait un bon boulot. Compte tenu des conditions que l'on a subies, des contraintes et tout, je pense qu'on vous a fourni un parcours quand même en très bon état. Voilà. Je voudrais vous dire que demain, on maintient les départs à 7h30. On avait pensé 8h, mais comme on a des gens qui viennent de loin, plus tôt on aura terminé, plus tôt ils pourront rentrer chez eux. Hein, donc on fera premier départ 7h30. Je voudrais remercier Jean-Paul Exbraya, le vice-président de la Ligue, je ne sais pas où il se cache. Excuse-moi, c'est comme les balles de ce matin, je ne savais jamais où elles étaient. Hein? Je voudrais doublement le remercier parce que, en fait, c'est la dernière fois qu'il vient sur ce Grand Prix en tant que vice-président, puisqu'il va s'arrêter, il va passer ses fonctions en fin d'année, hein, je crois. Mais il sera quand même présent, il viendra nous voir, il n'y a pas de souci. Je voudrais remercier aussi le comité qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir tous les ans, avec Christophe, le président, qui s'est chargé des départs. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne dans les remerciements. Je voudrais vous signaler que demain, ça sera une journée un petit peu particulière, avec beaucoup d'émotions, surtout pour
les jeunes filles et les dames qui ont participé à pas mal de nos épreuves depuis 7 ans, c'est la 7e année, on a mis en jeu un trophée parce qu'on a une jeune fille qui venait depuis le début, qui a eu malheureusement un accident au mois de novembre, qui est décédée, accident de ski. Et en hommage, parce qu'elle a beaucoup participé avec son père, qui sera en principe là demain, et elle a vraiment participé à la promo de notre challenge, puisque dès le départ, elle était là la première année. Donc on a mis en jeu un trophée pour les dames et les jeunes filles, qui sera attribué à celle qui fera le meilleur score sur un tour. Alors c'est pas forcément celle qui va gagner le Grand Prix, mais on lui donnera le trophée donc demain. Voilà. Et on demandera à tout le monde, au moment de la remise des prix, de mettre un petit crêpe blanc en honneur d'Alexia. Voilà. Donc bah maintenant, on va passer aux choses sérieuses, parce que jusqu'à maintenant, c'était de la rigolade. Donc on vous a préparé un petit buffet dont vous serez servi au fur et à mesure par Bruno et Antoine, et puis Led. Donc vous avez des boissons sans alcool pour les jeunes, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes. Et ils étaient déjà un peu énervés, donc on va pas mettre... Après, vous avez un cocktail pour les anciens. Hein? Donc, on vous demande d'essayer de préserver au maximum la distanciation, les groupes de 10 maximum, les uns sur les autres. Donc, vous passez dans cet ordre et vous aurez donc, vous serez servi pour la restauration à côté. Après, vous prenez place où vous voulez. Prenez une bonne soirée et beaucoup de bon temps. Et puis, on vous donnera les résultats avec le cut au cours de la soirée, là, avec les départs de demain. Et j'espère en voir le maximum demain, de ceux qui sont ici. Ceux qui rentrent chez eux, j'espère les revoir l'année prochaine. Hein, parce que si vous bossez bien tous, vous devez améliorer votre place au mérite national. Et donc, vous nous rapporterez plus de points l'année prochaine si vous venez. Voilà. Merci, bonne soirée. C'est la vie, hein. Ah ça. Oui, vous avez les tipis, les chibas, la moutarde si vous souhaitez. Surtout pour pouvoir filmer, c'est moi qui le supplée là. Au contraire, c'est lui qui va faire le montage après. Ouais, il dure. C'est autant de dire que le montage, ouais, c'est assez chargé.
Yo yo yo, la merde. C'est la fête de la musique, foute la merde, foute la merde. C'est sympa, c'est quand même bon pour toi. Ça. On va faire plein de bourg, toi, alors. Ouais, bah écoute. Et tu repars courant. C'est le comité qui décide. Le comité de l'Assemblée générale qui a été qui va se dérouler fin septembre. De ce 7e Grand Prix, je vais passer la parole au président de la Ligue qui va vous dire quelques mots. Maurice, à toi. Merci Guy. Mes chers amis, je suis ravi d'être parmi vous et je félicite tous les compétiteurs, toutes les compétitrices qui nous ont offert un remarquable spectacle avec du talent, avec de l'application, dans des conditions météo qui, heureusement, pour une fois, étaient acceptables, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, et avec beaucoup de sérieux. J'ai vu que les mains étaient passées régulièrement au gel, donc vous êtes obligés, malheureusement, de suivre ce protocole qui est extrêmement sévère. Mais pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, et entre parenthèses, ce n'est pas une décision de la Fédération française de golf. C'est une interprétation de la Fédération française de golf qui a établi son protocole et qui l'a soumis pour validation au ministère compétent. En conséquence, nous ne pouvons pas faire autrement que de vous imposer ces règles. Félicitations aux jeunes filles qui, en plus de ce beau spectacle, nous ont permis de regarder un magnifique play-off. Vous êtes talentueuses, mesdemoiselles, et j'espère que le succès vous sourira. Mais quand je parle de sourire, je parle aussi du jeu, puisque bien évidemment, il faut scorer, bien évidemment, nous sommes en compétition, mais je rappelle, comme j'aime souvent le dire, que le sport est aussi un moment de détente et de plaisir. En conséquence, rien ne se fera sans le sourire et sans avoir la certitude d'avoir passé un bon moment. Donc, jamais de déception, quoi qu'il arrive, toujours un bon souvenir et toujours être heureux de partager ces bons moments de sport et d'amitié. Je voudrais remercier très chaleureusement le staff du club rassemblé autour de son illustre président, Guy Billet, tout le staff qui a composé cette compétition, les arbitres bien évidemment, les bénévoles et tous les services du restaurant, du terrain et autres qui se sont appliqués à vous rendre ce moment particulièrement agréable. Je voudrais vous présenter une personne qui est le pro référent, le head pro de la Ligue, qui est assis, lève-toi mon ami, tu es suffisamment reposé. Je voudrais vous présenter William Baudry. William Baudry assure de hautes fonctions au sein de la Ligue et ses fonctions vont encore prendre de l'importance dans le cadre de la nouvelle mandature qui va démarrer au mois de décembre. Et Guy, donc, surveillez bien ce William parce que vous n'avez pas fini de le voir, de l'entendre. Mais il vous sera d'un grand secours, c'est un excellent pro. Et William, je te remercie de tout le travail que tu fais pour notre ligue. Je vais maintenant passer le micro à Guy pour les résultats. Et encore une fois, je voudrais insister sur le remerciement qu'il nous faut donner aux bénévoles et aux arbitres, parce que sans eux, il n'y aurait rien. Merci mesdames, merci messieurs. Bon, je voudrais... J'ai oublié quelques remerciements hier, alors je voudrais me rattraper. Je voudrais remercier la maison Paro qui nous a fourni de la boisson pendant 3 jours. Ça a été bien utile, surtout avant-hier, je crois. Je voudrais remercier aussi le Best Western qui est partenaire, parce que je vous rappelle le principe ici. Les vainqueurs de cette année sont invités à défendre leur titre l'année prochaine. Donc ils sont hébergés gratuitement au Best Western. Et le paiement du droit de jeu est pris en charge par le club. Voilà, comme ça, ça vous laisse la possibilité de venir défendre votre équipe. Je voudrais remercier les arbitres. Je pense que moins on les a vus, mieux ça prouve que le parcours et le Grand Prix s'est bien déroulé. Je voudrais pas oublier Jean-Michel qui est caché, qui a filé un bon coup de main. Hein, donc merci.
JP, c'est presque un pilier du club. Je crois qu'il va bientôt habiter dans la région, parce que ça fait 4 ou 5 Grands Prix qu'il arbitre. 6 6 sur 7, alors, vous voyez. Bon, donc on a toutes les chances de le voir l'année prochaine. Hein? Et donc, si vite, premier Grand Prix ici, mais deuxième ici. Bon, maintenant, avant de donner les résultats, il y a un petit moment d'émotion. Vous savez qu'on a, on a mis en jeu un trophée pour Alexia Casado, qui nous a malheureusement quittés l'année dernière. Et je voudrais vous demander de vous lever en hommage. Et on va faire une minute d'applaudissement, s'il vous plaît. Donc il y avait un trophée en jeu et on s'est dit bon, c'était normal que ce soit les jeunes filles qui soient mises en concurrence pour ce trophée, mais bon, pour les hommes c'était peut-être un peu frustrant. Alors il n'y a pas de trophée, mais je voudrais appeler Xevia Aubry. Est-ce qu'il est là? Il est chez les garçons l'auteur de la meilleure carte sur un tour, donc la correspondance avec les jeunes filles, avec un moins 4. Donc, voilà. Bon, maintenant, chez les demoiselles, donc il y a un trophée, elle va partir avec, c'est pour elle, et c'est Elisa Coupel, avec un score de 67. Si tu veux te mettre, on te prenne en photo. Un peu à gauche, on voit par où. Bien sûr qu'on aura besoin d'eux l'année prochaine. Bon, maintenant, on va passer au résultat. Alors, ce trophée ici, il reste au club. Puisque tous les ans, on va ajouter le nom des vainqueurs, hommes et femmes. Donc, on va commencer par ces dames. Juliette Rio de Charmeil. Deuxième, Élise Lacoupelle, avec le même score. Deux ou troisième place. Alors, la troisième, j'espère que je ne vais pas trop écorcher son nom, je vais l'appeler Zara. Sarah, elle va se reconnaître. Hein. Ralland Beau Brisson. Après trois journées de compète, c'est pour toi. Thank you.
passer aux garçons. Non, mais on va faire une photo après. Voilà. Alors, chez les garçons, il nous vient de Canemougin, Jeunet Alexandre, 209. Le deuxième est excusé parce qu'il habite Paris, il est rentré. C'était Charpentier Hugo, avec 212. Donc on lui gardera son prix. Et le troisième, c'est Ochroa Noah, de Lyonnais. Bon, alors maintenant, comme le veut la tradition ici, il faut que vous mettiez sur la... C'est une tradition. Bravo à tous.